Et voilà, chers amis, donc nouveau téléphone de Dougie, le V10. Le V10, un nouveau smartphone donc incassable. Dougie est connu pour ça, bien entendu. Donc les smartphones incassables, j'adore Dougie, en fait. Voilà, parce que ça fait du téléphone si bien ultra résistant, quali, en fait, hein, au niveau des matériaux qui sont utilisés. D'ailleurs, le dernier qui vient de sortir a des matériaux de l'aérospatial, carrément, rien que ça. Mais bref, celui-ci, donc c'est le V10 avec un capteur photo de 48 mégapixels signé Sony. Toutes les optiques de chez Dougie, bien entendu, sortent de chez Sony. On a donc du 48 mégapixels avec du grand angle, avec du macro et également donc un thermomètre infrarouge qui peut autant scanner les humains que n'importe quel type d'objet. Donc il y a une application dédiée à l'intérieur du téléphone pour cela. Donc on a ici un slot SIM card double 5G. Donc c'est un téléphone, c'est le premier téléphone de chez Dougie qui soit en 5G. Voilà, donc ici on a une double SIM 5G avec la 5G. Vraiment, ça défonce au niveau des taux de téléchargement, en fait, hein, je veux dire, des applications qui font des centaines et des centaines de mégas qui téléchargent en un claquement de doigts, quoi. Je veux dire, en 2 secondes c'est terminé. Voilà, c'est un peu ça la 5G. Ça va excessivement vite. Voilà, bon, franchement, j'ai été surpris de la vitesse de téléchargement de ce téléphone. Donc au niveau de la photo, vous voyez, en fait, on est vraiment très très précis, hein. Vous voyez, j'ai la chance d'avoir un téléphone qui filme, qui est aussi précis que le Dougie. Donc vous voyez, au niveau de la qualité, vous voyez toute la poussière sur mon PC. Voilà, et là c'est qu'une vidéo, en fait, vous voyez un peu le truc. Donc on est hyper quali au niveau de la qualité, de la définition globalement de l'appareil photo de ce téléphone. Les matériaux, c'est juste au top, je trouve. Hein. On a du plastique voilà, anti-casse, anti-chute sur le côté. On est tout métal. C'est un smartphone, voilà, quand même, qui tient, qui pèse son poids, mais néanmoins très très puissant, je le conseille aux aficionados de la longévité de batterie, les gens qui, voilà, qui gambadouillent un peu et puis qui n'ont pas forcément toujours une prise à portée. C'est vraiment vraiment du top, ce téléphone. Moi j'aime beaucoup Dougie parce que c'est une marque qui prend pas les utilisateurs pour des bœufs, enfin pour des moutons, et puis qui vend du téléphone, du smartphone qui est autant résistant, quali que performant, et à des prix qui sont ultra ultra raisonnables en rapport à ce que l'on peut voir des marques existantes très très connues. Voilà, qu'on ne citera pas, bien entendu, ici. C'est une recharge également rapide, 33 watts. Voilà, donc le téléphone tient longtemps et en plus de ça, il se recharge excessivement vite. Donc ça, c'est vraiment du bonheur avec ce téléphone qui est sous un Android 11. Donc on a vraiment la dernière version d'Android sur ce téléphone, une fluidité qui est absolument terrible. Un son que je tiens à saluer parce qu'il y a des efforts qui ont été faits. Effectivement, c'est un téléphone qui est IP68, donc il est étanche à l'eau et à la poussière. Il peut être immergé, hein, ce téléphone. Voilà, étanche à l'eau et à la poussière. Donc ça, c'est une de ses particularités aussi, en plus d'être incassable. Et en général, les téléphones incassables ont des sons qui, bon, laissent à désirer. Et là, franchement, Dougie fait des merveilles avec son haut-parleur. Et je trouve que le son est vraiment riche pour un téléphone incassable. On a un très très bon son. Voilà, donc vraiment un super téléphone.